C'est pour la première fois dans mon nom, Eve, que vous avez Miss Universe, Miss America, Miss Teen USA et Miss USA. Vous avez 4 mesdames noires qui vont porter la compétition. So, dans chaque page, chaque mesdames noires vont porter. Ça, c'est une très belle bataille. Donc so, là, toutes mesdames noires qui ont gâté les champs. So, mes amis, mesdames, ça représente nous. Et là, vous avez en pile de mesdames, ça y a belle en pile. Et puis, ça qui était plus attiré, c'est que mesdames, vous avez avec tout naturel hair. Vous avez dit que bien là-dedans, c'est naturel hair, que les kinky hair, ce n'est pas aucun problème. So, je suis obtenu déjà, mesdames, ça y a parlé, les gens qui ont réellement posé tout le bain, ça y a, ça a fait nous réellement plaisir. So, ça, c'est Miss Universe. Vous regardez les belles petites couples dans la tête. Li. So, ça, comme on est capable de dire, c'est la première fois qu'on bat comme ça avec une dame noire qui n'a pas aucun faux cheveux dans la tête. Li. Et puis, les cheveux très naturels, très kinky et qui porte quoi on a pour Miss Universe. Vous comprenez? Et vous regardez ça, ça c'est Miss Universe et tout, même genre tout. Vous comprenez? Avec kinky heavy. Vous comprenez? So, ça, c'est une très belle baguette. Li. Ça, c'est un bail qui vous fait toutes les mesdames noires très. Remettre tes cheveux là, ça n'a pas réellement besoin à mettre des bagages dans les cheveux pour capable réellement. Les gens que bon Dieu font, on voit. Ça qui est important, c'est la beauté qui est en dedans. On voit, ça c'est Chesley Chris, ça a été Miss USA. Ça c'était Miss Franklin, Miss America. Et ça c'est Garris, Miss Team USA. Et finally, ça c'est Miss Universe, Zozi Bini. Reportage là, qui congratule tous les 4 mesdames ça y est. Qui remportait quand on a, et que moi c'est que ça pouvait porter pour toute notre jeune petite mesdames noires qui viennent pour capable compétir sans problème. Open, so congratulations. Merci, bye bye, à la prochaine.